Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de la journée parce que ça faisait, j'en avais pas fait depuis 2 semaines, donc là je m'en rattrape, j'en fais deux aujourd'hui. Donc tout simplement, comment faire une miniature sur tablette ou sur téléphone. Donc vous savez que normalement avec l'application YouTube on peut pas. Donc là c'est très simple, donc vous rendez sur le Google Play et vous téléchargez l'application Puffin Web Browser. Une fois que vous l'avez installée, vous l'ouvrez. Ensuite, vous marquez sur la barre de vos recherches en haut, ici. Voilà. Vous mettez YouTube. Vous connectez. Ça sera l'interface comme un PC. Ensuite, vous allez sur votre chaîne YouTube. Donc, hop. Vous allez sur votre chaîne. Vous cliquez sur la vidéo que vous voulez mettre votre miniature ou la changer de titre, voilà. Et là vous avez les écrans d'annotation, les petites retouches que vous pouvez faire. Vous cliquez sur le petit crayon et là vous avez description, tag, miniature personnalisée, et on est toujours sur tablette. Donc vous mettez miniature personnalisée, choisir depuis l'appareil. Là vos documents vont s'ouvrir. Voilà. Ensuite, vous prenez votre miniature. Donc voilà. Donc là, la miniature est en train de se mettre. Ça peut prendre un peu de temps, ça, mais pas longtemps. Téléchargement terminé, et là vous avez votre miniature personnalisée. Ensuite, vous pouvez changer, vous mettre des tags. Donc, par exemple, on va mettre Snap Chat, Tutox, YouTube. Vous voyez, et là ça va augmenter votre nombre de vues. Enfin, si vous voilà, donc voilà. Ensuite, vous mettez enregistrer les modifications. Enregistrer les modifications. Je l'ai déjà mis, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, c'est très simple. Vous pouvez aller dans votre barre de recherche, marquer Tutorials. Hop, donc je ne sais pas si la miniature sera encore mise à jour, mais sinon ça va se mettre. Ne vous inquiétez pas. Non, ça s'est pas encore mis, mais bon, ça devrait se mettre dans pas longtemps. Donc, simple. Ensuite, vous pouvez aller, par exemple, dans gestionnaire d'applications, de vidéos, excusez-moi. Voilà, et voir toutes les vidéos qu'on fait, qu'on rapportait de l'argent ou pas d'argent, ou les vidéos qu'on fait, nombre de vues, nombre de commentaires, nombre de dislikes, nombre de likes. Voilà, donc là, vous voyez, problème d'installation de GTA 5 sans vue, 1524 vues. Là, vous voyez, on peut même voir si on a su des droits d'auteur. Donc là, par exemple, droits d'auteur parce que j'ai mis une musique. Donc voilà, donc c'est très simple. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, sauf, je crois, Android, iPhone, enfin, Apple. Donc, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Il arrivera sûrement la semaine prochaine. Donc, moi je vous dis ciao!